Merci beaucoup. Je remercie la population de Kédougou. Je remercie la jeunesse de Kédougou. Et je remercie spécialement tous les responsables politiques de la région de Kédougou parce qu'ils sont là, ils ont été présents et ce match détermine encore, démontre encore que Kédougou est uni et nous sommes tous derrière le président de la République qui nous accompagne dans le développement de notre région sœur qui est Kédougou. Le sport, on connaît très bien la région de Kédougou. Kédougou aime le sport et le sport aujourd'hui nous a réunis pour nous montrer encore que l'important c'est Kédougou. Et quand Kédougou, on a besoin de faire en sorte que Kédougou avance, nous serons présents. Et nous avons vu deux équipes très importantes, très dynamiques, engagées, motivées, disciplinées et qui ont fait un jeu remarquable, extraordinaire. Et ça, c'est les remercier ces joueurs-là qui ont démontré aujourd'hui leur talent. Et je pense que c'est une satisfaction énorme pour toute la population de Kédougou. Écoutez, je pense que, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, ce terrain, ce stade, sera désormais un terrain avec du gazon synthétique, Inch'Allah, l'année prochaine. À partir de mi-janvier, nous allons démarrer les travaux, Inch'Allah. J'ai eu les différents responsables. Demain, nous avons une réunion avec la gazelle. Et je pense qu'il y aura des décisions très importantes qui seront prises. Et je pense qu'à l'issue de cela, je vais me prononcer pour dérouler le plan d'action que nous allons mettre en place pour vraiment répondre aux attentes de la jeunesse de Kédougou. Mais ceci dit, je pense qu'aujourd'hui, nous allons trouver des solutions, Inch'Allah.